Bonjour, je suis ravie d'être présente virtuellement à l'Institut français de Tunisie pour vous parler de mon nouveau livre, Élucider l'intersectionnalité, les raisons du féminisme noir. Alors, c'est un titre qui peut paraître rebutant à première vue, mais cette impression disparaît, je l'espère du moins, quand on dépasse la barrière de la couverture et que l'on s'attache à la thèse ou au projet du livre, ou à la question centrale du livre, qui est la suivante. Quel est le type de féminisme, quel est le type de projet féministe qui peut nous permettre de vivre ensemble en dépit de nos divergences et sans chercher à les réduire et à les annihiler, à les détruire, et tout en ayant conscience qu'une partie de ces différences est amenée à demeurer en l'état. C'est-à-dire, certain nombre de nos différences sont amenées à demeurer totalement irréductibles. Et que ce n'est pas là une tragédie, mais qu'au contraire, c'est une chance. Alors, cette question du projet féministe, elle est éminemment classique. Nombre de chercheurs et de chercheuses s'y sont investis et de belle manière. J'ai choisi pour ma part de répondre à cette question en examinant d'une manière critique un outil devenu incontournable dans les études de genre et dans les études féministes, quasi iconique, à savoir l'outil intersectionnel. L'idée du livre, c'est que l'intersectionnalité présente un certain nombre de limites qu'il convient de donner à voir, mais que ces limites ne sont pas rédhibitoires. Et donc l'idée du livre, c'est aussi de montrer comment il est possible d'amender cet outil intersectionnel. Et la thèse du livre, c'est que c'est en fondant cet outil à l'intérieur de la pensée ou de l'option décoloniale que l'on parviendra à l'amender. Cette approche, elle n'est pas spécialement nouvelle. Elle a été investie par la regrettée philosophe féministe Maria Lugones, et ce livre lui doit beaucoup et lui est en quelque sorte un hommage rendu avant l'heure, puisqu'elle est décédée il y a quelques mois seulement. La thèse centrale qui court de part en part dans ce livre, elle aussi, et dans sa formulation assez simple, elle consiste à dire que ce n'est pas en cherchant à fusionner les unes dans les autres, à converger les unes vers les autres, à chercher des points de recoupement les unes avec les autres, à être dans la symétrie, à être dans l'analogie que nous parviendrons à vivre ensemble. Mais c'est au contraire, et je prends le contre-pied total de cette thèse, mais c'est au contraire en privilégiant en quelque sorte un parallélisme quasi total des trajectoires qu'on parviendra à vivre ensemble. C'est dans le vide, en quelque sorte, ou le hiatus que permet ce parallélisme que l'on parviendra véritablement à ancrer une tradition solidaire.